Encore une អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៅទេពទីសំណាកាឲ្យប្រតិបត្តិការជូនទៅក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនដើម្បីបន្តការដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ Merci monsieur le président. Basom akun lobthien. J'en étais au moment de la pause déjeuner à deux documents que je voulais présenter qui évoquent les négociations avec les Vietnamiens en 1967. Premier document, document E3/221 qui est le procès verbal de réunion intitulée étude de la réaction des Vietnamiens au cours de la cinquième réunion le matin du 14 mai 1976. Ce document est une sorte de bilan des négociations en cours avec les Vietnamiens au sujet des problèmes frontaliers. On y évoque longuement la question de la ligne brévier également les problèmes relatifs aux frontières terrestres. Et ce qui est intéressant de noter dans ce document, c'est que, a priori, les membres de la réunion sont tous d'accord sur le fait qu'il est important de continuer les négociations. Et là, je vais citer un passage au document, à l'URN, en français, 00-3-8-6-1-8-0, et un autre passage à la page suivante, en Khmer, 0-0-0-8-1-5, et ça se poursuit à la page suivante. Et le RN en anglais, 0-0-1-8-2-6-9-7, et ça se poursuit sur la page suivante. L'extrait que je lis à la première page est une intervention du camarade Moon qui parle de ces négociations. Il explique comment ces négociations se sont déroulées et comment est composée la délégation. Voilà ce qu'il indique. Peu importe les résultats, nous garderons définitivement la même position du parti, garderons la même ambiance, la même solidarité et la même amitié. Mais si la situation des négociations n'évolue pas, l'ambiance pourrait devenir tendue. Nous pourrions trouver les moyens pour apaiser la situation en finissant les négociations sur un statu quo. Panien n'est pas un policier intelligent, C'est un négociateur qui se sert de la loi et de la loi des capitalistes. Il négocie avec nous comme s'il le faisait avec les Américains. Il ne pourrait peut-être pas comprendre l'amitié ni la solidarité. Il veut nous dominer dans les négociations. Et il finit en disant, les membres de sa délégation sont certainement divisés. Nous devrions nous allier avec ceux qui pourraient semer le trouble dans leur rang. En conclusion, les négociations d'aujourd'hui n'étaient pas trop tendues. C'était simplement l'expression de nos positions respectives. À la page suivante, il est intéressant de noter également l'intervention du camarade Q. Sonsen, qui lui évoque toujours ces négociations, mais parle également de la situation militaire. Il dit, c'est au troisième paragraphe de son intervention, ainsi,
Selon les estimations, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes demandes ne seraient pas réalisées. Nous pouvons maintenir la même ambiance, mais chacun connaît bien sa position respective. Si les négociations devaient durer encore, ça pourrait aboutir à une tension. Je suis d'accord avec l'avis du camarade Moon. Il vaut mieux trouver la façon de négocier. Quant au problème des tirs des Vietnamiens sur nos navires, ce n'est pas essentiel. Sur la scène internationale, le Vietnam a toujours besoin de nous, donc ce n'est pas essentiel. Nous devons trouver les moyens de finir les négociations pour maintenir la même ambiance. Il continue. Ensuite, au paragraphe suivant, en évoquant les questions internationales et en notant, je cite, « Le Vietnam et la Thaïlande se sont emparés de toutes nos eaux ». Il avait précisé, j'aurais dû lire le premier bout de paragraphe, « Notre ouverture maritime ressemble à un coquillage. Le Vietnam et la Thaïlande se sont emparés de toutes nos eaux ». Et il finit sur la page, en tout cas. Le Vietnam ne gagne pas. S'il y avait des conflits avec la Chine, ça serait encore plus compliqué. À l'heure actuelle, s'il venait prendre nos îles, ça serait aussi plus difficile. Il nous menace, mais ce n'est pas légal. Nous apaisons la situation. Nous n'insultons pas parce que nous voulons maintenir la même ambiance. Fin de citation. Donc ça, c'est un élément de contexte extrêmement important parce que nous avons, si nous considérons que c'est bien un procès verbal de réunion évoquant ces négociations, nous avons une volonté a priori qui semble être unanime au sein des personnes qui discutent au cours de cette réunion pour que les négociations avec le Vietnam continuent. Somfen dit bien que même s'il y a des tirs de Vietnamiens sur les navires, malgré tout continuer à discuter. Et je mets ce document en rapport avec les témoins qui sont venus exposer leur travail sur les zones maritimes et sur les consignes qu'ils avaient reçues de Sonsen. Un autre point, je renvoie également le RN 00386 1 8 7 en français, qui est toujours la question des négociations et la manière dont les négociations sont déroulées. Et je termine par la dernière page du document avec l'intervention du camarade secrétaire Pol Pot qui dit « Donc, nous adoptons le profil bas, nous irons donc regarder son film, il parle de représentants vietnamiens, il n'a aucune raison de nous attaquer parce que nous avons encore un sourire franc, nous ne l'avons jamais insulté. S'il attaquait, il ne gagnerait rien, il n'y aurait que des pertes. » Fin de citation. Là encore, même le camarade secrétaire quand il finit en indiquant la marche à suivre, il est toujours dans cette volonté de négociation. Et la date est importante parce que nous sommes dans une position de l'État, du gouvernement, en tout cas du Conseil des ministres ce jour-là. Plutôt du comité permanent ce jour-là, qui invoque la nécessité de continuer à discuter et à négocier, et on ne peut pas indiquer qu'au travers de ces documents, il y a une politique de s'attaquer aux Vietnamiens de façon générale, que ce soit combattant, ou civil. Un autre point que je mentionne en passant, c'est qu'il est intéressant de noter que, à la première page de ce document, on mentionne la présence du camarade M, alias Kieu Sampan, mais qu'à aucun moment, il n'intervient au cours de cette réunion.
Un autre point à mettre également en miroir, un autre document à mettre en miroir avec ce précédent document, c'est la réunion du Conseil des ministres du 31 mai 1976, document E3-7-9-4. À l'URN en Khmer, 0-0-0-0-0-0-7-8-6-1. Et en anglais, 0-0-1-8-2-6-7-6. Là, c'est le camarade secrétaire qui fait un compte-rendu, explique la position et indique ceci au sujet des problèmes frontaliers. Dernier paragraphe en français. Quant aux problèmes frontaliers, il n'y a aucune solution. Selon les expériences dans le monde, à certains endroits, il faut des centaines d'années pour trouver des solutions. Quant à nous, nous continuerons à résoudre les problèmes. Lors de la négociation, le parti a soulevé trois souhaits. Premièrement, si on n'arrivait pas à trouver de solution, il faudrait maintenir le statu quo. Deuxièmement, la situation est améliorée par rapport à avant dans une certaine mesure. Troisièmement, il faut gagner un minimum de gains. Maintenant, notre premier souhait et notre deuxième souhait se sont réalisés. Fin de citation. Donc là encore, 31 mai 1976, confirmation que la volonté de continuer à négocier. Toujours sur la question du thème, sur ce qui est dit à propos du Vietnam, est-ce qu'à un moment, on a une politique du PCK qui reviendrait à assimiler les ennemis à autre chose que un ennemi étatique s'il y a des difficultés. C'est un document qui est un étendard révolutionnaire de février 1978. Document E3-7-4-4-4-0. ERN en anglais, 0-0-4-6-4-0-6-3. Et la position est de dire que dans ce document, il n'y a aucun doute sur le fait que l'on parle toujours du Vietnam en tant qu'État et que si on a un litige, on le défini comme étant avec l'État vietnamien et non pas avec les Vietnamiens en tant que race. Et aux URN que je viens de citer, il est indiqué, c'est une analyse faite dans l'étendard révolutionnaire, et il est indiqué un paragraphe deuxièmement, la défaite des Vietnamiens sur le plan politique. Je saute le premier paragraphe et j'en viens à ce qui est considéré comme l'impasse dans laquelle le Vietnam se serait trouvé à l'époque. Enfin, il s'est retrouvé dans une impasse la plus totale. Il y avait une autre défaite politique du Vietnam, c'était le fait que le peuple vietnamien ait vu clairement que la politique d'invasion a amené le Vietnam et le peuple vietnamien sur un appauvrissement terrible. Deuxième point à évoquer, il y avait un autre objectif politique du Vietnam qui avait mis sur pied une organisation ou un parti ou un mouvement qui aurait été amené du Vietnam pour être mis en place ou pour être proclamé dans les régions qu'il aurait réussi à envahir. Ce plan-là a échoué complètement. Fin de citation. Ça, c'est un élément important parce qu'on voit bien, en tout cas, dans cet étendard révolutionnaire, qu'on fait une différence avec entre la politique du Vietnam de façon générale et le peuple vietnamien dont on dit dans ce document qu'il aurait vu clairement à jour que la politique d'invasion n'était pas positive. Ça, c'est un point important. Et dans la suite,
de ce document, c'est le dernier paragraphe en français, on précise encore mieux que c'est bien à l'égard du Vietnam en tant que pays qu'il y a un problème, et non pas, encore une fois, à l'égard du Vietnamien en tant que race. Dernier paragraphe, nous avons pu préserver et défendre solidement et lever très haut et très en évidence le drapeau de l'indépendance et de l'autonomie et de la nécessité d'être maître de son propre destin, lever haut le drapeau de l'indépendance, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoire, et lever haut le drapeau de l'honneur national et populaire du Cambodge. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient sur la suite, parce que la métaphore du drapeau n'est pas anodine, c'est du drapeau du pays. Et donc, on poursuit en disant, et nous devons frapper fortement le drapeau des envahisseurs, des expansionnistes et des avaleurs du territoire. Nous devons frapper fortement le drapeau de la Fédération indochinoise du Vietnam. Nous devons frapper fortement le drapeau de la peur des grands pays et de la collaboration avec les ennemis. Nous devons frapper fortement le drapeau de la doctrine des grandes puissances du Vietnam, le drapeau d'un parti unique, d'un pays unique et d'un peuple unique du Vietnam doit également être frappé de la façon la plus humiliante qui soit. Fin de citation. Et là, clairement, encore une fois, pour refaire écho à ce que je disais précédemment, nous avons politique, ou en tout cas un leitmotiv dans ce qui est dit, à savoir que le problème, c'est l'État vietnamien qui veut annexer un territoire, c'est l'État vietnamien qui veut avaler des territoires, on s'attaque à l'intégrité du territoire, mais c'est certainement pas les Vietnamiens en tant que Vietnamiens ou en tant que personnes civiles. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important, sachant que cet étendard révolutionnaire date de pour finir sur la série de documents que nous voulons mettre en lumière. Tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre de problèmes à la frontière vietnamienne et les différents mouvements qui ont pu être évoqués dans la presse, des mouvements de libération ou des mouvements de rébellion, que ce soit à la frontière ou à l'intérieur du pays. Nous avons également deux autres articles de journaux relatifs à cette question-là et qui sont en rapport avec les anciens soldats de la République mère, puisque ce sont des articles qui évoquent des mouvements de rébellion ou en tout cas de tentatives de retour au Cambodge pour faire tomber le gouvernement du Cambodge démocratique et qui sont menés par des anciens soldats de la République mère. Et là, je fais référence à un premier document, document E3/4, qui est un article du journal Libération de juin 1976. La date est importante. Et là, cette fois-ci, ce ne sont pas des mouvements qui sont à la frontière vietnamienne, mais à la frontière thaïlandaise. Et on évoque notamment, et c'est à l'URL en français, et je crois que le document n'existe qu'en français, document à l'URN S0005779, où on évoque donc le Molinac. C'est à la deuxième colonne de cet article en français. Molinac.
Le journaliste a évoqué plusieurs groupes en expliquant qu'il y a pu avoir dans la jungle des gens qui se présentaient comme des mouvements de résistance aux Khmer Rouge, qui sont en fait un peu des mercenaires, des gens qui recherchent de l'argent. Et voilà ce que le journaliste indique pour la suite. Outre ces groupes, pour qui la résistance semble surtout un moyen supplémentaire de gagner quelques dollars, il existe toute une série de groupes dépendant de tel ou tel politicien ou général de l'ancien régime qui voient eux aussi dans la résistance un moyen commode d'attirer quelques subsides et de recouvrer un peu de leur prestige perdu. Ces groupes sont faibles numériquement et pratiquement inactifs. Ils sont aussi divisés et en proie aux ambitions personnelles et à la corruption que le régime dont ils sont les résidus. En avril a été annoncée à Paris la création d'un rassemblement de certains de ces groupes sous l'étiquette Molinac, mouvement de libération nationale khmer, qui se réclame de deux des hommes forts de l'ancien régime, In Tham et Sangom Tham, aujourd'hui exilés en France. C'est dans la ville frontière Thaï, Dianara Praté, que les dirigeants de ce groupe sur le terrain, un ancien ministre de l'Olonol, et un ancien dirigeant khmer, Sarai, Son Sambo, ont établi leur quartier général. Quant aux rumeurs faisant état de foyers de résistance composés de restes de l'armée de l'Olonol, dans le massif des Cardamomes, elles sont bien sûr invérifiables, même s'il n'est pas invraisemblable que des groupes aient pu tenir le maquis dans cette zone montagneuse d'accès très difficile. Au total, l'ensemble de ce groupe, nous estime-t-on à Bangkok, pas plus de 1500 hommes. Un seul groupe est vraiment actif. Il s'agit d'un front de libération du Nord-Cambodge, dont les 200 hommes, bien armés et entraînés, pénétraient parfois assez profondément en territoire cambodgien à partir de leur base située dans la province thaïlandaise de Bulnam. Ce groupe, composé d'anciens soldats et officiers de l'ONU, serait en fait directement organisé et équipé par les services spéciaux de l'armée thaï, pour lesquels ils effectuent diverses actions de renseignement. Fin de citation. Donc là encore, question de contexte quand on parle des ennemis d'espionnage. Nous avons un article de 76 qui évoque ce mouvement Molinac et qui évoque les mouvements à la frontière thaï avec les éléments de renseignement venant de cet État. La Thaïlande, à ce moment-là. C'est une information qui est également reprise, qui d'ailleurs précédait cet article d'avril 76, dans le Bangkok Post, document E3-7-3-1-6. Et le titre de l'article est en anglais, puisque je pense qu'il n'existe qu'en anglais, effectivement. Et l'article s'intitule Anti-Communist Resistance Months in Northwest Cambodia. Et voilà ce qu'il dit au début de l'article. Anti-Communist Resistance is spreading in northwestern Cambodia. And there have been pitched battles between Khmer Rouge units and anti-communist guerrillas, a resistance leader told Agence France-Presse. The leader, a former officer in the Khmer Republican Army, when Marshal Lon Nol ruled Cambodia, said his organization, the Liberation Front for Northern Cambodia, had small groups of 20 to 30 men scattered between the Thai frontier and the Tonle Sap Great Lake. According to the leader, the Liberation Front for Northern Cambodia has 200 well-armed and well-trained men in guerrilla units which have communications equipment
They are constantly on the move, he said, in the northwest forest zone. The front is at present conducting negotiations with other resistance groups operating in western Cambodia known as Molinac, the leader said. Molinac has network in Paris and contacts in several western countries, he said. A small liberated zone has already been established to the south of the border town of Poy Pet, across from Thailand, according to the resistance leader. It consists of about 100 square kilometers in the heart of the jungle, he said. Fin de citation. Et le reste de l'article continue sur ce qui est dit, ce qui se passe dans cette zone. Donc là encore, un élément important, avril 1976, nous avons des incursions, en tout cas des allégations d'incursions et des gens qui se présentent comme des mouvements de rébellion et en tout cas des mouvements ayant pour but d'attaquer le régime en place et qui sont dans la zone nord-ouest. Et qui font des incursions dans cette zone nord-ouest. Là encore, un élément de contexte extrêmement important sur les incidences que ça va avoir également sur la manière dont les gens voient les attaques du côté de Phnom Penh. Enfin, un dernier point qui vient en écho à cette zone frontalière avec la Thaïlande, un document E3-7290. C'est la première page, c'est un article d'un chargé de recherche à l'université de Yale. Donc là, c'est un travail universitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'URN, en français, 0-1-7-2-7-1-8. À l'URN, en Khmer, 0-1-5-2-7-1-0. Et à l'URN en anglais, 00-99-3-8-09. Cet universitaire évoque la question du problème frontalier avec la Thaïlande. Et c'est le dernier paragraphe de la page en français. Ce conflit frontalier était en partie dû à des revendications concurrentes par la Thaïlande et le Cambodge concernant certaines zones frontalières. On estimait qu'il était également l'œuvre des opérations de la guérilla des forces de la droite cambodgienne qui bénéficiait en secret d'un appui des forces armées thaïlandaises et était autorisé à utiliser les zones frontalières thaïlandaises comme sanctuaires. Ces forces, généralement connues sous le nom de Khmer Serai, étaient composées d'anciens membres du gouvernement de Lon Nol. L'une d'elles appartenait à l'ancien premier ministre cambodgien Inn Tharn, dont la base était située sur la frontière entre les provinces de Pathumbury et de Batambang. Fin de citation. C'était un dernier point pour parler de ces conflits et de ces incursions depuis la frontière thaïlandaise. Cela met fin à ma présentation de documents sur le serment. Et bien sûr, nous aurons à revenir dans le cadre des réponses sur les questions. បាទអរគុណសំណាកការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអញ្ញាបកាសផ្អាកកញ្ញាការសំណាកការត្រាប់ថ្ងៃនេះតំណីសំណាកការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី21 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ចាប់ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយសំណាកការនៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំរះនឹងបន្តធ្វើសំណាកការបង្ហាញឯកសារគន្លឹះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការប្រព្រឹត្តលើក្រមមនុស្សគោលដៅជាក់លាក់ចំពោះជនជាតិចាមចំពោះជនជាតិវៀតណាមហើយនិងចំពោះអតីត អ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយដោយការស្ដាប់នៅដំណើរសហប្រញ្ញានិងសហមិត្តវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីតបឬក៏កាត់ថ្កល់ទៅនឹងបណ្ដាឯកសារគន្លឹះដែលបានដាក់បង្ហាញដោយសហមិត្តវីការពារក្តីគឺសំផនហើយនឹងស្ដាប់ការធ្វើឆ្លើយការឆ្លើយតបឬក៏ការកាត់ថ្កល់ពីសំណាក់សហមិត្តវីការពារក្តីគឺសំផនទៅនឹងបណ្ដាឯកសារគន្លឹះដែលបានដាក់បង្ហាញដោយសហប្រញ្ញានិងសហមិត្តវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រនី ហើយសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពទេដោយទុកពេលវេលាសមស្រប
ដើម្បីឲ្យភាគីមានលទ្ធភាពរៀបចំនៅសក្តីតបឬក៏ការកាត់តម្កល់តបទៅនឹងបណ្ដាឯកសារកលឹះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដោយខាងលើនេះដែលបានដាក់បង្ហាញដោយភាគីម្ខាងទៀតហើយសូមភាគីជ្រៀតបានអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាកំបានកំណត់នេះហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាព នៅថ្ងៃសុក្រទី26 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមជើញក្រុមចូល